Place donc à la Coupe d'Europe avec un déplacement au Munster la semaine prochaine pour préparer cette rencontre et pour améliorer peut-être les carences défensives hein, que l'on a pu apercevoir hier. L'ASM dispose d'un nouvel outil à l'entraînement, un drone. On prend un petit peu de hauteur avec Sébastien Kérou et Julien Lecoq. Un gros insecte a fait son apparition sur les terrains d'entraînement de l'ASM. C'est en fait le nouveau drone du club. Il mesure 60 cm et pèse 2 kg. Un nouvel outil devenu indispensable pour Stéphane Boiroux, l'analyste vidéo du club. C'est un drone sur lequel il y a une GoPro. Le signal vidéo est renvoyé sur un boîtier et à mon ordinateur. J'en ai une partie qui vient dans les lunettes pour voir ce que je filme ou sur un écran. C'est très flexible d'utilisation, donc on peut filmer les mêlées très près, où on va travailler sur de la position de corps, et on peut filmer beaucoup plus haut, où là on va voir presque tout l'espace du terrain, où on va voir nos 30 joueurs en permanence. En revanche, le drone est un peu bruyant et son autonomie assez limitée, environ 10 minutes de tournage avant de changer de batterie. Autre inconvénient, il ne supporte ni la pluie ni le vent, mais pour l'entraîneur des jaunes et bleus, les avantages de son utilisation sont nombreux. On a l'habitude maintenant, ça fait 2 mois qu'on l'utilise, c'est important parce que ça nous permet d'avoir des angles différents pour le travail. On peut se mettre au niveau des joueurs, on peut se mettre à 45 degrés juste au-dessus pour avoir un travail sur les lignes, sur les châssis. C'est fonctionnel et aujourd'hui on a pris l'habitude et surtout il y a une très bonne qualité d'image, donc forcément il y a un rendu positif. Une fois l'entraînement terminé, le visionnage des vidéos peut commencer. Place à l'analyse des différents schémas tactiques mis en place par l'entraîneur. Pour Stéphane Boiroux, le drone est beaucoup plus précis que les simples caméras habituelles. Quand tu filmes de côté, tu vois que la ligne d'affrontement, tu vois pas les intervalles. Et quand tu filmes de derrière, tu vois que les intervalles, tu vois pas la ligne d'affrontement. Et avec le drone, on arrive à avoir une vue qui combine les deux. Donc on a beaucoup plus d'informations pour être pertinent et surtout les coachs pour corriger les joueurs ou même les joueurs pour se corriger eux-mêmes. On n'est pas sur du drone, je dirais, d'audiovisuel extérieur. On est dans un drone qui doit fonctionner dans un environnement très précis. Toute l'analyse a été ça, tout le travail qu'on a fait en collaboration avec l'ASM, c'est ça. Ça va permettre en fin de compte une gestion temps réel, une capacité de prise d'image au plus près des besoins qui s'adapte très très bien au sport, au rugby en particulier. Après Grenoble, l'ASM est le deuxième club de top 14 à utiliser un drone pour ses entraînements. Le concepteur de l'engin espère gagner de nouveaux clients dans son viseur, le 15 de France.